Salut à tous, ici le Rio de Las Vegas pour de nouveaux moments d'émotion aux côtés de Gaëlle Bowman, dernière représentante du Team Winamax à la bulle du 3 000 $ No Limit Short Ended des WSOP. Avec 55 000 jetons au blind 1000 demi et seulement quelques joueurs à éliminer avant d'entrer dans les places payées, Gaëlle n'a sûrement pas l'intention de faire de folie, en tout cas pas tout de suite. Assurons l'argent et après on verra. Allez Gaëlle! Ça a repris? C'est vrai ou pas? Quoi? Oh putain! Les boulets quoi! Allez, juste attends. On met deux places de l'argent. Ça y est, plus qu'un joueur à éliminer. C'est une bulle rapide. Ça y est, on est dans l'argent. La bulle a été assez rapide, mon stack n'a pas trop souffert, ça fait plaisir. Je peux encore essayer de faire quelque chose. Pas si short que ça. Je suis en grosse blinde et Max Silver limp sur ma blinde. Une paire de 4 avec 22 blindes. Il y a déjà 6K au milieu ici. Je réfléchis pas trop. Je vais taper directement. 6000 à prendre, c'est pas négligeable. C'est la main suivante, il open son bouton. Et j'ai une très belle main en small blind. As-dame de carreau. Ici, j'ai trop pour chauffe directement. Je fais juste le 3 bet. Ah, la bébé se met à réfléchir. J'ai trouvé très agressif ce joueur. J'ai l'impression qu'il va spew bientôt, j'espère que ce sera contre moi. Il passe. Une paire de 7 au hijack, j'ai réussi à repasser dans la zone plus confortable des 30 blindes grâce aux deux coups précédents. Et à cette table, je m'attends à me faire 3 bêtes beaucoup avec un stack de 30 bébés après la bulle. Ce joueur espagnol au bouton, je sais qu'il est très agressif. S'il 3 bêtes, c'est sûr que je vais shove. Je fais 4 bêtes shove ici. Le spot, il est bon pour lui. C'est la première fois que j'ai un petit peu de stack de nouveau. J'étais très short avant.
sais que c'est une table plus à variance que la précédente de toute façon. Il faut que je prenne ce genre de spot, sinon je vais me faire marcher dessus. Et il passe directement. Il n'avait pas encore eu l'occasion de me 3 bêtes, c'était sûr qu'il allait prendre le premier spot quand j'avais un peu de stack. Je limpe en small blind, la bébé check. J'ai 9 et 10 off avec un carreau. Le flop vient 7-6-4 avec tirage carreau. Une good shot, 2 over. J'essaie de check, je pourrais bet aussi. Valet de carreau, je check encore. Check back. La river est une dame. Je vais bet la river. Il aurait bet un valet s'il l'avait touché et s'il n'a pas la dame, c'est vraiment dur de payer pour lui. Le bord a run vraiment sale. C'est dur de payer pour lui avec une petite paire. Ou essaye. Le joueur à ma gauche a été éliminé. Je le connais, ce joueur blond qui vient de s'asseoir. Morten Mortensen, c'est un regal line danois qui est très agressif aussi. Max Silver lime de nouveau sur ma grosse blinde. J'ai 6-3 de carreau, je vais le relancer. La position, un gapper assorti. J'aime bien ce genre de main à relancer. On va aller voir un flop, il décide de payer. 3-10-4 rainbow. Si check, je peux check back ou c'est bête. Les deux plays se défendent, je décide de check et d'aller voir le turn. J'ai quand même pas mal de cartes qui m'arrangent sur le turn. Un carreau, un 5, un 2, même un 7, ça me donnerait des gutshots. Je pourrais faire un daylight, c'est bête, et lui faire passer sa main. Ici, c'est une dame. Ça améliore plus sa range que la mienne. Je pense qu'il aime beaucoup de Broadway et je vais juste abandonner cette main. On est sur 1200-2400, 400 dentés. J'ai roi, valet de carreau, une belle main. Je relance. Look it off, la small blind pass. It's like 50k. 50 000, juste au-dessus de 20 blindes. Ah,
Ah, il fait tapis, j'aurais bien voulu aller voir un flop. C'est dommage, c'est une belle main, mais je peux vraiment pas call avec cette main-là. Allez, on passe. Le bouton a passé. Max Silver encore qui lime sur ma blinde. Bon, j'ai relancé 100% de ses limbes. Je vais checker. J'ai Dame 9 off. Content d'aller voir un flop. Pas envie qu'il limpe shove. Si je le raise. Ah, c'est un bon flop pour moi. Valet 10-2, Rainbow. Ça me donne tirage quinte par les deux bouts. Je suis contente de payer ici. On n'a pas les profondeurs pour raise, je suis pas fan du raise. En plus j'ai la position, c'est parfait. Turn c'est un 6 de trèfle, qui change rien à ma main. On va voir ce qu'il décide de faire, je pense que... Il va souvent checker quand même à moins qu'il ait la dame. Choisir l'option agressive ici et miser mon équité. Essayer de le faire fold dès le turn. Ouais, et il passe. Le bouton, j'ai roi valet off. Je fais une petite relance à 5005. La bébé demande à voir mon stack, j'espère qu'il va pas shove encore. Il paye. On va aller voir un flop. 17-7, rainbow. Je vais s'ébattre ici. Un board qui n'a pas forcément souvent touché ses ranges. Il paye, il peut payer avec n'importe quel paire, il peut payer ace-high. Même float avec des backdoor, trois dames, avec backdoor flush, ce genre de main là. Je pense qu'il va les payer au flop au moins une fois. Et je touche mon roi à river. Il check encore. Je pense pas qu'il y ait grand chose pour payer. Je suis pas sûr qu'il paye avec une paire moyenne. Autoras, je pense qu'il va passer aussi. Je vais quand même essayer de miser très petit. J'espère me faire payer par une petite paire. J'ai juste un quart de pot. Ouais, il passe. On a un nouveau joueur qui est arrivé à table depuis quelques minutes, je le connais pas. Il raise UTG tout de suite. Ah, j'ai une vraie main là, j'ai une paire de valets. Je peux 3 bêtes ou payer. Mais j'ai aucun read sur lui, je préfère call. Surtout avec les joueurs derrière moi qui sont très agressifs, je serais contente qu'il y en ait un qui squeeze et que je puisse faire tapis. «
Allez, j'espère qu'il va squeeze ce spot. Il hésite. Ce sont les deux joueurs les plus agressifs à ma gauche, donc j'aime d'autant plus call ici. Ah, il paye. Il paye simplement. Du coup, la grosse blinde a vraiment une bonne cote pour payer. C'est pas la meilleure configuration de se retrouver four-way avec deux valets. Ouh, 9-9-9. Ça, par contre, c'est un super flop pour ma main. J'ai très souvent la meilleure main, là, sauf si la grosse blinde se réveille avec un 9, mais c'est quand même très très peu probable. La grosse blinde a checké. LOR, UTG décide de c-bet. Un peu moins que moitié du pot. Donc 4 joueurs. Je suis assez sereine quand même. Je pense vraiment avoir la meilleure main très souvent. Il peut c-bet beaucoup de paires ici. Il peut même c-bet ace-high, roi-high, je pense. Je vais payer ici. Le bouton et la bébé passent, c'est très bien. Ah, là, sur le turn, une des cartes que je voulais pas voir parce que je pense qu'il peut c-bet des Broadway ici. Le pot devient vraiment gros, il fait 54 000. Je sens pas très serein quand même. On dirait qu'il hésite, il hésite à miser, à checker. Il va encore miser. J'aime pas trop cet as sur le turn, mais... Il mise 11 000 seulement. Il fait plus petit qu'au flop. Je pense que s'il avait l'as, il aurait certainement fait un peu plus cher quand même. Et il aurait tout le temps de check, de roi, de dame. Il faut vraiment pas que je me plante par contre, s'il me resterait vraiment pas grand chose. À peine un peu plus petit bébé, je recompte mon stack, mais... Si je me trompe, il me restera vraiment plus grand chose, je suis très très short. Mais bon, de toute façon, là, il me donne tellement une bonne cote. Je remporte le pot une fois sur 6 pour que le call soit ok. C'est vraiment une cote de fou. Je peux pas passer ici, franchement, je pense. Je pense que s'il avait l'as, il aurait pas fait ce sizing. J'espère voir une blank river. Un 8, c'est parfait. Un river qui change rien. Il réfléchit, j'ai 10 blindes derrière. Est-ce qu'il peut bluffer ici? Ce serait fou. Je m'attends à ce qu'il arrête ses bluffs sur la river. S'il mise, je crois vraiment que je vais passer. Ce serait complètement fou de bluffer ce pot avec mon stack. Ou bien il a vraiment l'as. J'espère qu'il va check. J'ai vraiment pas envie de fold dès qu'il me reste 10 bébés, ce serait dur là. Pourquoi il réfléchit si longtemps? Il aurait déjà chauffé s'il avait l'as. Mon stack est check, parfait. Je vais check back. Je veux voir sa main. Il veut pas montrer sa main. Ok, c'est bon, je gagne. 3 valets off. Waouh. Waouh. Ça fait plaisir ce pot. Il est énorme. Je vais recompter mon stack, mais je suis très contente de ce coup là. Je crois que je remonte à 110 000, 100 000, 110 000. Ça va faire du bien, un petit peu d'oxygène là. Surtout avec l'augmentation des blindes. La structure me rattrapait là. 110 000, c'est ça, ça me fait presque 37 bébés à la reprise. Ça fait vraiment du bien de revenir à ces profondeurs. Je retrouve Harper au break comme d'hab. Ça fait plaisir de l'avoir toujours à côté de moi.
Il me soutient. En plus, il suit le même tournoi, donc c'est parfait. Je le connais pas, lui. J'ai juste flat de valet en effort way. Il fait 6 en plus. Mais enfin, clairement, c'est le fixe de la table, lui, il vient d'arriver. Et il y a les deux blindes qui collent. Et en fait, le mec à ma gauche qui est short, qui est très bon, il hésite à, je crois, à shove. Il colle. Et la bébé colle. Et non, lui, il est en, au bouton, il colle, le mec à ma gauche, tu vois. Ouais, et il fait 13. Ouais. Il fait 13, là, juste là-bas. Il fait 13, 13, je colle, fall. Turn, il fait 11, tu vois. Ouais. Je me dis, putain, est-ce qu'il milk, qu'est-ce qu'il a... 40, il fait presque 50 calpo. 40, je sais pas combien. Bah, 5, 50, ouais. Il fait du bien ce coup, là, waouh. C'est quoi les blindes à reprise, 1530? Ouais. En plus, je comptais mon stack. Il me restait genre 10 bébés si je collais turn et que. Ouais. C'est pas good, mais bon. Là, il allait pas chauve. Il allait pas chauve là. Tiens. Quand même, ouais. Tu fais un bisou là, t'as plus le droit. Pourquoi t'as. Ah, t'as plus le droit? Non, ça c'est sûr. Tu le droit. Ouais. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Erwan qui a réussi à survivre à la bulle. Il est très très short. Allez là. T'as monté à 100? Ouais, 110 juste avant le break là, j'avais un gros coup. Ça roule, ça roule. Hein? J'ai une tablerie mais avec ses. Oui, oui, oui. Il n'y a plus de tables magnifiques là, de toute façon. Toutes les tables sont un petit peu relevées. Allez, on y retourne. 1500, 3000, 500 dentés. Bébés quasiment. Je suis pas mal, je suis bien. Je suis en grosse blinde, le bouton contre qui je viens de prendre ce gros pot. Relance. J'ai Dame 8 off. Je vais défendre beaucoup contre lui. Dame 9-3 rainbow. C'est un bon flop pour ma main. Je touche la top pair. Check back. Bon, je vais miser sur ce set, sur le turn. Ça change pas grand chose. Faut que j'ai cette value. Une paire inférieure ou un tirage maintenant. Il a l'air énervé encore du coup d'avant. Il passe. Trois de carreaux, c'est pas incroyable comme main. On va voir ce qui se passe. Je me retrouve de nouveau en heads up en bataille de blindes contre Max Silver. Il lime sur ma blinde, va checker ici. On va aller voir un flop. Ah, je touche le flop. Tirage carreau, plutôt pas mal. Je vais payer son lead ici. Le turn me donne une paire de 8 en plus. J'ai un petit peu de show non value du coup. Et je vais pas faire fold un roi de toute façon si je mise, donc je préfère checker. Et aller voir la river. Le 10 de carreau, ça me donne flush.
Je pense que ça va être dur de lui prendre une mise sur ce coup-là. Je vais faire un bet pas trop cher, mi-pot, pour qu'il soit tenté de payer avec une paire. Je pense qu'il va pas payer très souvent ici. C'est dur de payer pour lui avec une paire ici. Le board a run vraiment, vraiment sale, le 10 de carreau river, c'est vraiment pas une belle carte pour sa range. Qui check le turn. J'ai As-3 de cœur. La petite blinde colle. Trois valets 2, rainbow. J'ai complètement raté le flop. Il check, je vais check back. J'ai envie de voir le turn. J'ai beaucoup de cartes qui améliorent ma main quand même. Le 5 de cœur sur le turn, c'est vraiment une des meilleures cartes pour moi. Ça me donne une gutshot et un tirage flush max. Là, il mise très cher. 14 000. Ah, c'est vraiment cher. J'ai pas tout à fait la cote directe pour call, mais avec les cotes implicites, c'est un call facile, je pense. J'ai la position, ce sera plus facile de valoriser ma main quand je touche. Je pense qu'il a une main forte. Si je touche la quinte, c'est jackpot. On ne verra jamais sur ça. Et si je touche la flush, je pense lui prendre une mise suffisamment souvent pour que le call soit rentable. Bon, la dame river, c'est une grosse brique pour moi. C'est dommage. J'améliore pas ma main. Je pense qu'il va continuer de miser, je vais passer. Il mise assez gros. Je pense vraiment qu'il est en value. Bon bah après cette main, je retombe à 93 000. Ça me fait de nouveau 30 blindes. 31 blindes. On est 5 à table, on vient de perdre le joueur qui devait être au bouton. Et paire de 4. J'ai 30 bébés au cut-off. Je vais open ici. Le bouton réfléchi. Un joueur qui a été très agressif pour le moment. Mais jusqu'à présent, j'avais pas assez de stack pour qu'il puisse m'agresser pré-flop. Trop bête. Je pense qu'il est souvent light sur ce spot. C'est son premier spot où on a les stacks et les positions parfaites pour qu'il fasse ça. J'ai une paire. Je vais faire tapis ici. Ça me rappelle le spot avec la paire de 7 tout à l'heure. Je m'attends à ce qu'il prenne le premier spot light. Oh, il a pas l'air content, mais il paye. J'espère que c'est un flip. Non, paire de 9. Ah, je suis vraiment pas bien. Je suis pas tombée contre la bonne partie de sa range. Ouais, je comprends qu'il soit pas super content de payer. Il faut dire, j'ai été quand même active à table. Bon, on peut dire qu'il m'a own. Bravo à lui. Il est descendu bas dans sa range de 3 bet call. Ça veut dire qu'il me pensait bien capable de pouvoir faire ça avec des petites paires.
Je pensais être assez sûre de mon rythme, mais je me suis trompée, ça arrive. C'est passé la première fois et pas cette fois. Est-ce que j'ai besoin de prendre ce spot à ce moment-là? C'est discutable, mais la table est quand même pas super facile, donc faut s'attendre à prendre des spots un peu plus à variance. Un petit peu déçu, mais bon, j'ai pas trop de regrets sur cette main. 85e place sur 959, c'est pas si mal pour commencer les séries. Je suis quand même contente de cash sur mon troisième tournoi des WSOP. J'espère juste que les autres suivront. Yeah, I have one. So just make sure you have it before you go to the payout. Okay. So that they can give you the money, okay? Okay, right. Thank you. Thank you. Oh non, putain. Bah, ouais. Hein? Rien à dire, mais relou. Non, rien à dire, c'est sûr. Il est passé la première fois et perd de 7. Pas cette fois. Ouais. Surtout contre lui, il va tellement le prendre ce spot avec lui. Là, je suis pas obligée de le prendre. Mais bah, je pense que. Mais je pense vraiment. Ouais, je pense vraiment. Je pense que sinon, si tu commences à. Ouais, faut pas que je panne alors. C'est fini quoi. Ouais. Moi, j'aime bien moi. Ouais, non, mais moi aussi j'aime bien. C'est juste trop lourd de tomber sur cette main-là, tu vois. Ouais. C'est ça, c'est que t'as. Je tombe sur la pire partie de sa range. Bon, tu te tiens direct quand même. Bah direct, c'est mon troisième tournoi. Ah ouais. Je n'ai même pas vu combien c'est le cash. Soin, oui, je sais. Non, c'est bien, c'est bien. Voilà déjà une bonne perf, Gaëlle. Et on ne te sent pas trop déçu, car comme tu l'as dit, il fallait bien tenter quelque chose à cette table difficile. Bravo à toi. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau tournoi de ces World Series of Poker. Ce sera avec l'incroyable Alex Luneau qui va s'engager dans le 10 000 $ short-handed, une épreuve que les initiés considèrent comme le tournoi des maîtres. Jusqu'où ira-t-il? Vous le saurez évidemment dans les prochains épisodes de Dans la tête d'un pro. À très vite !